Le thème, c'est l'œuvre du salut, c'est le don gratuit. L'œuvre du salut, c'est le don gratuit d'Elohim. Voilà. Donc, ça commence ici. Hein. Voilà. La sainte doctrine, c'est de savoir, en fait, ce que Yeshua a fait pour nous. Tout simplement, par amour pour nous, par amour pour l'homme, et tout simplement ça. Donc, je vais prendre un passage qui nous montre un peu comment ça a débuté et comment ça a fini. Alors, on va prendre un passage, donc un passage que tout le monde connaît hein, déjà, Jean 3, 16, voilà. Dieu m'a tant aimé le monde, voilà. Okay. Donc, Yohanan 3, 16, il dit, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tout simplement, ce don gratuit, hein, c'est Yeshua qui, au travers, parce qu'il y a sacrifice et aussi ce don. Le don comprend le sacrifice et aussi la promesse qui nous a été faite au travers de ce don. Donc c'est le sacrifice et la vie éternelle. Mais pourquoi cela a été fait? Pourquoi le Seigneur, par son amour qu'il a manifesté envers nous, au travers du sacrifice de son Fils, pourquoi aussi nous? Il nous dit que au travers de ce sacrifice, ben il y a aussi la vie éternelle. Mais nous allons aller dans Genèse 3, voilà au commencement, Bereshit, à partir du premier verset. Voilà, pour ne pas être long, je vais sauter quand même des versets pour que ça soit pas trop long. Donc le premier verset dit: Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous ne mangerez pas et vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc nous voyons que le péché débute par ici, hein, par la désobéissance, en oubliant la parole du Seigneur. Ils ont mis la parole du Seigneur de côté, donc Ève a mis la parole du Seigneur de côté pour accepter la parole édulcorée du serpent qui était un venin et ce venin c'est le péché. Donc la désobéissance nous a fait rentrer dans le péché. Voilà, parce qu'elle a désiré, elle a convoité le fruit. Et on voit par la suite les conséquences, que leurs yeux se sont ouverts au verset 7, et ils ont vu qu'ils étaient nus, etc. Et au verset 9, Yahweh ben, les appela pour les visiter en fait, comme je pense à son habitude, pour parler avec Adam, pour échanger, pour communier avec Adam, tout simplement. Et cette communion avait été interrompue parce qu'il y avait le péché. Et Adam, voilà, pour résumer, Adam, voilà, il eut peur quand il a entendu la voix du Seigneur parce que le péché, en fait, avait mis une séparation et ça avait engendré la peur chez lui. Ça avait engendré la peur, voilà, je pourrais dire même le doute sur le Seigneur. Voilà, il fuyait, en fait. Il fuyait le Seigneur. Et après cela,
quand le Seigneur lui l'appela, lui demanda, voilà, est-ce qu'il avait mangé de l'arbre qu'il avait défendu de prendre, de manger. Et Adam, en fait, au lieu de se repentir, qui est un fruit de l'esprit, maintenant il a commencé à accuser ce que dont le Seigneur lui avait donné. Donc ça allait en crescendo, quoi. Ça allait en crescendo, son péché. En fait, prenait dans l'ampleur après la désobéissance, ben, c'est l'accusation, et en se justifiant par cette accusation, hein, voilà la justification, donc l'orgueil qui lui permettait de ne pas en fait se repentir. Et après, il a demandé à la femme aussi, pareil, ben, une accusation pour se justifier, accuser le serpent, etc. Effectivement, c'était le serpent. Mais on a vu qu'il n'y avait aucune repentance, en fait, sincèrement. Pas de repentance de base. Et c'est là où le problème était, parce que le Seigneur, malgré le fait que l'homme avait péché, eh bien, il attendait, en fait, que l'homme se repente, tout simplement. Je pense que si l'homme se repentait, le Seigneur aurait pardonné, tout simplement. Mais de fait qu'ils se sont justifiés, ils avaient l'orgueil dans leur cœur, qu'ils se cachaient, ils avaient peur. Il y avait tous ces engendrements par rapport au péché, ben, qui les empêchaient en fait de se repentir. Et le verset qui va nous intéresser, on va descendre un peu. Voilà, au verset 21. Donc Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Donc il y a eu un animal qui a été tué pour apaiser la colère du Seigneur, et qui a permis au Seigneur d'être apaisé envers eux et d'être patient envers eux. Et ils ont été revêtus, donc couverts par cette peau d'animal, hein, qui a été tué, et parce qu'ils ont été couverts, ben aussi le Seigneur a vu cet apaisement. Et c'était... Et nous remarquons que c'est Yahweh Elohim qui habilla Adam et Ève. Donc c'est Elohim qui a fait le sacrifice, en fait. Donc c'est Elohim qui a fait le sacrifice. Donc là même, je suis en train de voir que Elohim, c'est lui-même qui a sacrifié. C'est lui-même qui a pris l'animal et qui l'a sacrifié. Donc c'est lui-même, malgré le fait qu'Elohim ne pêche pas, qu'il n'avait pas péché, etc., eh bien, il n'a pas attendu que l'homme et la femme puissent sacrifier un animal. Vous voyez, il a pris l'animal lui-même, donc c'est sa force et ses efforts. Donc nous voyons que, qui se rapporte au verset 16 du chapitre 3 du livre de Jean, qui dit « Elohim a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son fils unique. » Donc c'est Elohim qui a fait les choses. Comme pour Adam et Ève, il a fait les choses, en fait. Il n'a pas attendu sur l'homme, il a fait les choses. Mais en attendant que cela soit complètement, soit accompli, soit manifesté, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 22, il est dit, Yahweh Elohim dit, voici l'être humain devenu comme l'un de nous en connaissant le bon et le mauvais. Maintenant, qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Donc là, il y avait le don gratuit qui était là. Eh bien, c'était interdit pour eux d'y accéder. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché et qu'ils ne devaient pas accéder à ces choses saintes dans le péché, parce qu'ils seraient souillés pour l'éternité, parce qu'il y avait la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Yahweh, verset 23, Yahweh Elohim le chassa du jardin d'Éden pour travailler le sol d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'être humain et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Est-ce qu'on peut souligner ce verset? Parce que ce verset, nous allons y retourner. Parce qu'il y a un autre verset qui va appuyer ce verset-là, et c'est glorieux, c'est magnifique ce que le Seigneur a pu faire. Et
au travers cet enseignement, ben, en fait, le Seigneur nous montre en fait que ce don gratuit qui a été fait, eh ben, a été fait par amour. Et cet amour-là, en fait, n'est pas l'amour du monde, n'est pas l'amour charnel, mais c'est un amour qui dépasse tout entendement, en fait, qui dépasse même nos attentes. Et c'est ce qui est glorieux. Alors, nous allons aller dans le passage de Isaïe 53. Isaïe 53. Yeshaya 53. Donc, le sacrifice du Mashiach. Donc, ce sacrifice avait déjà été fait bien avant la fondation du monde. Il nous est dit dans les Écritures. Et Adam a été chassé du jardin d'Éden. Nous disons que le premier Adam, il a été chassé du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que il était corrompu. Il a été corrompu par le péché. Et qu'il a été chassé parce que le péché ne pouvait demeurer, en fait, dans le jardin d'Éden. Nous voyons que le jardin d'Éden est juste une copie du ciel. Une copie du ciel, l'Éden qui veut dire, voilà, jardin, qui veut dire, voilà, Éden qui veut dire simplement paradis, en fait. Qui veut dire paradis, voilà, voilà, lieu de repos, voilà, lieu de repos. Et il a été chassé de là, pourquoi? Parce que le péché était sous lui. Nous disons que dans les Écritures que ce qui met une séparation entre l'homme et Elohim, c'est le péché. Il y a eu cette séparation dès lors où l'homme avait péché, malgré le fait, mes amis, qu'il avait été couvert par un animal. Vous voyez? Mais comme c'était un animal, c'était pas un sang qui était là pour un sang pur, qui était complètement pur, voilà, qui était là pour couvrir l'homme éternellement, ben il a fallu que un sang pur soit versé pour toute l'humanité. Et c'est là le don. Et c'est là où rentre le sacrifice. Et au travers de tous les livres que nous avons pu, le Seigneur a pu nous prescrire, donc dans Genèse, de connaître l'histoire, Exode, qui nous permet de savoir que le Seigneur va nous donner sa parole qui est la loi, qui est les ordonnances. Puis Lévitique, c'est la loi cérémonielle, et qui tout ça se rapporte à quoi? À montrer à l'homme là où il veut en venir pour que l'homme soit sauvé. Waouh! Et alors il utilise des prophètes pour annoncer en fait ce sacrifice parfait qui doit venir pour être manifesté afin que tout homme puisse voir et que ce témoignage soit fait afin que l'alliance avec l'homme soit inaugurée et soit faite en fait en vérité. Et au travers de Yeshaya, nous voyons que il dit au premier verset, qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et cherchant qu'est-ce que la maladie? Ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache sa face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies et s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Et il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Le châtiment de notre paix a été sur lui. La paix aussi est un don, le don
qui fait partie du don gratuit, en fait, en vérité. La paix. Et c'est, maître, et c'est par ces maîtres qui suivent que nous avons, nous, que nous sommes, pardon, guéris. La guérison aussi fait partie du don gratuit. Nous avons tous été errants, comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous, opprimé et humilié. Il n'a pas ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène au massacre, à une brebis muette, face à ceux qui la tombent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Enlevé par la contrainte et le jugement, et parmi sa génération, qui est-ce qui en a parlé? Il a été retranché de la terre des vivants et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants et dans sa mort, il a été avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Et c'est là, c'est le verset qui va nous intéresser, c'est Yahweh a pris plaisir à l'écraser. Il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'il, s'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours et le désir de Yahweh. Nous avons vu que le premier Adam a été chassé à cause de ses transgressions, à cause du péché. Et que, au travers de ce péché, toute l'humanité entière est condamnée par rapport au péché. Toute l'humanité est sous le poids de ce péché. Dès lors où Adam avait, comprenez-moi, dès le début, où Adam avait péché, tout le poids du péché était sur toute l'humanité, sur toute ta descendance, sur toute ta génération de Adam et Ève. Et ça veut dire que, au travers d'Adam et Ève, toutes les souches étaient, toute la chose était corrompue. Donc toutes les descendances, tout ce qui venait après, la progéniture, tout ça, on était tous corrompus en fait. Il n'y avait pas un seul juste, pas même un seul qui pouvait en fait accomplir la justice du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a donné sa parole, mais cette parole-là en fait, que le Seigneur nous a donné la loi, toutes ces choses, en fait, ça nous condamnait en vérité. Mais entre-temps, le Seigneur nous dit qu'il nous a mis sous un tuteur jusqu'au temps convenable, jusqu'au temps où il allait se manifester pour que nous soyons délivrés. Donc le salut, la délivrance. Et ce salut vient par ce don gratuit, par un sacrifice. Et là, nous voyons un sacrifice de culpabilité. Pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait point répondre à la justice du Seigneur. Donc, le monde était plongé dans la culpabilité. Et nous savons que la culpabilité, c'est aussi l'orgueil de notre cœur. Où nous ne pouvons pas répondre aux attentes du Seigneur, tel comme Adam n'avait pas pu venir devant le Seigneur parce que, en fait, il reconnaissait son péché, mais il voulait garder son péché. Il a voulu garder son péché. Pourtant, le Seigneur l'a appelé pour qu'il puisse discuter avec lui. Le Seigneur n'était pas venu pour le frapper, n'était pas venu pour le condamner, mais il s'est condamné lui-même en voulant garder en fait le péché dans son cœur parce qu'il a accusé. Donc il a envoyé la pierre sur une autre personne pour se protéger et garder, cacher son péché. Voilà pourquoi, mes amis, rien n'est nouveau sur la terre. Voilà pourquoi beaucoup en fait aujourd'hui ne viennent pas à la repentance parce qu'ils veulent garder leur péché. Donc, ils veulent garder leur culpabilité. Ils sont dans leur culpabilité. Et pourtant, ce sacrifice est venu ôter cette culpabilité sur tout le monde, en vérité.
Et quelle est cette culpabilité sur laquelle nous étions? C'est parce que nous culpabilisons parce que nous avons péché contre le Seigneur et que nous avons honte et que nous avons peur. Alors, dans Lévitique, j'ai fait une recherche sur... le Seigneur m'a... Je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'amenait à méditer le livre de Lévitique. Et lorsque je suis tombé sur le premier chapitre, mes amis, sur le premier chapitre de Lévitique, j'ai pu lire la suite, mais c'était surtout le premier chapitre qui m'avait vraiment transcendé, parce qu'il parle de l'Holocauste. Et l'Holocauste, en fait, on parle de sacrifices de grains, des sacrifices de culpabilité, des sacrifices de paix. En fait, l'Holocauste, ça regroupe tous ces sacrifices-là. Et même j'ai vu que par rapport à ces sacrifices-là, eh bien, le Seigneur a pensé aux riches et aux pauvres, à ceux qui pouvaient donner plus et à ceux qui ne pouvaient pas donner beaucoup, mais qui pouvaient donner moins. Donc, c'est-à-dire même aller à l'offrande de grains, c'est-à-dire la farine. Qui n'a pas de la farine chez eux, en fait, en réalité? Donc, c'est pour que le Seigneur voulait que toute l'humanité soit sauvée, riche ou pauvre, hein? C'est-à-dire de façon matérielle, mais en fait ça importait pour le Seigneur parce que c'est ce qu'il voulait, c'est que l'homme soit sauvé. Alléluia. Et les amis, au travers de ce sacrifice, nous voyons un deuxième Adam qui est venu, qui l'a formé, hein, qui lui est venu habiter dedans. Donc, Yeshua, notre Elohim, qui s'est confiné dans ce corps, les amis, confiné dans ce corps pour venir au milieu des humains. Et il est venu et il a point péché, les amis. Il a point péché. Et si on lit le sacrifice de culpabilité, on voit que le sacrifice de culpabilité, on voit que c'était des gens peut-être aussi qui n'avaient rien fait, mais qui ont... sans faire exprès, dans un péché involontaire où il pouvait toucher un cadavre sans faire exprès, etc. Par rapport aux humains qui peut-être qui ont un bon témoignage au niveau des humains, mais par leur conscience, par leur pensée, ils péchaient, mais sans se rendre compte de ces choses. Et la parole qui est Yeshua est venue dans le monde pour éclairer tout homme, même au niveau des pensées. C'est-à-dire que il a même dit que je vous dis que celui qui a convoité une femme a déjà commis dans son cœur. Personne ne voit, personne ne sait. Lui-même, la personne même ne sait même pas. Donc il dit a déjà commis un adultère. Donc ça veut dire que le péché de l'homme était à un niveau que ça rentrait même dans les profondeurs du cœur. Donc il y avait des ténèbres même dans le cœur. Même le Seigneur dit que il sait que toute la structure du cœur, des pensées des hommes était qu'un mal en tout temps. Donc le Seigneur voyait beaucoup plus loin. Donc le péché avait corrompu l'homme à tel point que il n'y avait plus de possibilité pour l'homme de retourner à son Créateur. Waouh! Donc il était constamment sous la condamnation, sous la colère. Et nous revenons au verset de Genèse 3. Genèse 3, verset 24, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est ainsi qu'il chassa l'être humain, il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les amis, la flamme ici est le jugement et la colère du Seigneur. Là, ici, il était question de condamner. La porte était condamnée. Le chemin était condamné. Le chemin était fermé, les amis. Le premier Adam avait échoué. Il avait été chassé. Et il ne pouvait plus retourner parce qu'il n'était pas pur, les amis. Il n'était pas pur. Il était corrompu jusqu'à la moelle, comme on dit. Jusqu'à la moelle, il était corrompu. Alors, il n'avait pas le choix d'être chassé. Mais dans le plan parfait du Seigneur, il avait aussi vu un Adam qui allait retourner au jardin, les amis.
Il y a un Adam qui devait faire demi-tour. Adam a pris le chemin de la perdition. Mais il y a quelqu'un qui est retourné. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est allé dans le chemin de la perdition, mais la mort n'a pas pu le retenir. Et la mort même l'a rejeté. Il devait retourner dans le jardin parce qu'il était parfait, les amis. Alléluia. Notre maître, notre salut. Alléluia. Notre délivrance. Yeshua Mashiach. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Alors, Yeshua est venu en tant qu'homme pur, les amis. Alléluia. Au travers d'une chair, cette chair de péché, mais qui n'avait pas été dans son être intérieur, qui n'avait pas été corrompu, qui était pur, qui n'avait pas la semence de l'homme, alléluia, mais qui avait la semence d'Elohim. Donc il était pur, les amis. Donc il n'y avait pas eu de transfert de VIH. Il n'y avait pas eu de transfert de ces choses, les amis. De mal. Il n'y avait pas eu de transfert. Il y avait la semence du Seigneur, la pureté, la sainteté. Waouh, alléluia. Et c'est cet homme qui avait la figure d'un animal. Comme on a pu voir dans les sacrifices, c'était les animaux sur lesquels on posait la main pour que nos péchés soient sous cet animal-là. Alléluia. Et pourtant, tous les animaux, toute la terre était vouée, était maudite en fait. L'être humain, toute la création qui était sous la terre, était maudit par rapport au péché de l'homme. Donc lorsqu'on posait sa main, mais on posait sa main parce que le Seigneur avait donné cette ordonnance qui préfigurait Yeshua, mais ces animaux-là, en fait, étaient maudits. Si je puis le dire comme ça. Ils étaient maudits aussi. Toute la création était maudite. Mais le Seigneur avait fait ces choses comme ça parce que sa colère demeurait sur l'humanité et il devait être apaisé. Mais sa colère n'était pas apaisée éternellement. Parce que l'homme continuait à pécher. Et lorsque un enfant continue à faire des bêtises, eh bien, les parents se mettent en colère. Donc les parents, là, à chaque fois que tu fais une bêtise, ils sont en colère. Jusqu'à ce que, en fait, le petit enfant soit délivré de son ignorance et qu'il puisse marcher dans la droiture que les parents voyaient. Et là, les parents seront dans la joie. Alléluia. Alors, le Seigneur est venu marcher au milieu de nous, au travers de ce corps, marcher pour accomplir les choses du Seigneur, la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsqu'il a été baptisé au travers du ministère de Jean-Baptiste, il a été dit quoi? Celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé, voilà, lui, toi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Yeshua. Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Yeshua aussi étant baptisé et étant en prière, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Donc Luc 3, verset 21. Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Yeshua aussi étant baptisé et étant en prière, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme celle d'une colombe. Et une voix vint du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Les amis, ça veut dire que la marche du Seigneur était agréée. Donc il avait une marche pure. Il était dans la volonté du Seigneur. Ça veut dire qu'il avait, il n'avait transgressé aucune loi. Donc le Seigneur avait pris plaisir en lui. Il avait un cœur simple, un cœur doux, humble. Tout ce que le Seigneur pouvait rechercher, il l'avait. Et tout cela a été mis à l'épreuve lorsqu'il a été dans le désert. Tout cela a été mis en épreuve. Et qu'est-ce qu'il en sortit? Ben, il n'a pas péché.
Il n'a pas péché même contre la parole du Seigneur. Et il a été revêtu de puissance. Alléluia. Et c'est là où son ministère a commencé. Et c'est là où il a été mandaté pour faire la volonté pleinement du Seigneur jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Waouh. C'est magnifique. Donc, c'était un Adam, le deuxième Adam, qui a marché selon l'image du Seigneur. Qui était à l'image du Seigneur. Parce qu'il a été agréé. Et il a été à la croix, les amis. Mais qu'est-ce qu'en vérité la croix? La vérité sur la croix, c'est quoi? Il dit dans Jean, on va prendre Jean 14. Il dit à partir au verset 4, il dit, on va même prendre au verset premier. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Yeshua lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père excepté par moi. Alors, on entend parler de ces versets beaucoup, mais le Seigneur nous a quand même illustré ce passage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on voyait que le premier Adam avait été chassé. Pourquoi? Parce qu'il avait le péché, il n'était plus juste devant le Seigneur, il n'était plus dans la justice. Voilà, il était corrompu entièrement. Et le deuxième Adam, en fait, n'avait point été corrompu. De lui-même, il n'avait pas été corrompu, en fait, en vérité. Il était pur. Sa conscience était pure. Donc, il pouvait retourner au jardin. Mais rappelons-nous qu'il y avait deux chérubins qui étaient là, qui avaient des flammes flamboyantes, des épées flamboyantes, des épées avec la flamme, qui est le jugement du Seigneur qui était là. Et nous avons vu qu'au travers la loi cérémonielle, donc le sacrifice, eh bien, au travers de tous les sacrifices, des animaux là, sur qui on posait tout le péché, ben, ils devenaient impurs pour le peuple, donc ils étaient tués. Ils étaient tués. Donc la mort, il y avait la mort, donc il y avait le jugement. Et le Seigneur nous a montré que au travers de la croix là, pourquoi il y a eu la croix, pourquoi il y a eu cette mort là, mais parce que simplement le Seigneur qui était pur a pris tout le péché de l'humanité entièrement. Il n'a pas laissé un péché sous l'homme, il n'y en a pas. Normalement, il n'y en a pas, il n'a pas laissé un péché sous l'homme. Il a tout pris. C'est quelque chose de très, très, très lourd à porter. D'ailleurs, même il a été, rappelons-nous qu'il a été dans le jardin de Gethsémané, où il était dans l'angoisse, les amis. C'était tellement fort, c'était tellement lourd, c'était quelque chose de tellement important, dangereux, hein, d'être sous la coupe de la colère du Seigneur qui représente... qui représente les épées flamboyantes que les chérubins avaient dans leurs mains, les amis. Le jugement terrible. Un jugement terrible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est que Yeshua a pris le péché de l'humanité. Et Yeshaya,
Ésaïe 53 nous annonce que le châtiment qui nous donne cette paix est tombé sur lui. Donc ça veut dire que le châtiment qui était chacun sur nous là, il a pris et en retour, il nous a donné sa vie. Quel est cet homme qui voit son enfant en danger, qui a besoin par exemple d'un cœur, ne va pas il est compatible avec cet enfant parce que c'est son père. Il voit son enfant mourir et il sait que cet enfant doit vivre. Parce que c'est ça, c'est ses entrailles. Waouh, alléluia. Alléluia. C'est ses entrailles. C'est ses entrailles. Alléluia. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coûte que coûte pour te sauver. Il va même mettre sa propre vie. Hein? Sa propre vie là en sacrifice pour toi. Et c'est ce que le Seigneur a pu faire dans son amour. Il a pris notre place. Alléluia. Il a pris notre place par amour. Et il s'est sacrifié en donnant son cœur. En donnant le cœur au Fils. Alléluia. Les amis, il a pris son cœur et il a donné à l'humanité. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Waouh, alléluia. Et ce fils-là, en fait, c'est le cœur du Père qui a été donné, les amis. C'est la vie. Le cœur, c'est la vie. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie en abondance. Parce qu'il dit qu'il donne sa vie pour ses amis. Il donne sa vie pour ses amis. Alléluia. Il donne sa vie pour ses enfants. Il donne sa vie pour sa postérité. Il donne sa vie pour sa créature. Waouh, alléluia. Et ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Donc le don gratuit là, c'est un sacrifice, les amis. C'est un sacrifice, c'est la mort qui est là pour nous donner la vie en abondance. La mort est tombée sur lui. La mort qui devait tomber sur nous est tombée sur lui afin que nous ayons la vie. J'insiste dessus pour que nous puissions bien comprendre que le don gratuit là, les amis, on ne doit pas jouer avec. On ne doit pas profaner ce don gratuit qui a été fait pour l'homme avec un amour démesuré, les amis. Un amour démesuré qui va même à l'encontre de ce que nous avons pu voir. Et le Seigneur m'avait donné cette image au travers, avec une sœur où on parlait, il disait qu'un enfant qui demande, qui patiente, il est aussi dans la souffrance. Et que le père va, il demande, ils ont faim et le père va préparer un repas. Et le repas, par exemple, l'enfant a demandé un morceau de pain et le père, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien la mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va aller à la cuisine, il va dire, mais ce morceau de pain-là ne va pas lui suffire. Il faut que je leur donne plus que ce qu'ils ont demandé, afin qu'ils soient, en fait, rassasiés, donc libres, en d'autres termes. Donc, le père va préparer, et quand il va venir, il va donner. Et là, il y a un sacrifice qui est fait, parce qu'un morceau de pain, ça se prépare rapidement, mais un repas, ça prend du temps, les amis. Donc, il y a un sacrifice de temps. Alléluia. Et au travers de toute cette démarche, nous voyons que à Adam, jusqu'à la mort de la croix, nous avons vu qu'il y a eu un temps où le Seigneur prenait son temps avec l'être humain afin que l'être humain puisse encore reconnaître son péché, se détourner de son péché. Mais il voyait que l'être humain ne pouvait pas. Donc voilà pourquoi il est venu même jusqu'à la mort de la croix afin de nous délivrer de cette culpabilité, de nous délivrer de ce péché, les amis. Et en prenant nos péchés, quel est ce jugement qui est tombé sur lui? Eh bien, c'est la mort. Alléluia. Et nous allons prendre... nous voyons que dans Yohanan, hein, nous avons pu voir, hein, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est le chemin qui amène vers la vérité. Et dans cette vérité, nous avons la vie. Et nous avons vu que, au départ, dans Jean 3,
16. Hein? Que quiconque croira, hein, en ce sacrifice-là, en d'autres termes, aura la vie éternelle. Donc nous voyons que la parole ne se contredit pas parce qu'il est le chemin qui va vers la vérité pour nous donner la vie. Donc le Seigneur nous a donné aussi la vie éternelle en ceux qui ont cru en ce sacrifice-là. Alors, ce chemin-là, alors le Seigneur, on va évoluer. Donc le Seigneur nous montre que ce chemin-là, c'est un chemin qui a été inauguré et vivant. Et nous allons aller dans le passage de Hébreux 10, qui est un passage très fort, très fort, très fort, les amis. Alléluia. Hébreux 10. Alors, Hébreux 10, verset 19, qui dit, « Ayons donc, frères, la liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Yeshua. Chemin nouveau et vivant qui nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair, et ayant un grand prêtre établi sous la maison d'Élohim, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, et ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Regardez les amis, au verset 20, il dit « Chemin nouveau et vivant qu'il nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair. » Et les amis, ce chemin nouveau a été inauguré. Et nous voyons que le monde nous enseigne, n'est-ce pas? Le monde nous enseigne par rapport à quand quelque chose vient à être inauguré. Et nous allons chercher la définition de inaugurer ou bien inauguration. Inaugurer qui veut dire, dans la première définition, consacrer solennellement. Et la deuxième définition, c'est ouvrir au public pour la première fois un monument, un édifice nouveau. Troisième définition, utiliser pour la première fois. Quatrième définition, entreprendre, mettre en pratique, utiliser pour la première fois. Et inauguration, on va faire la recherche d'inauguration, qui dit, hein, cérémonie par lequel on inaugure, deuxième définition, commencement et début. Et une autre définition qui était très, très, très parlant, je crois que je l'ai trouvé, qui dit cérémonie ou plus simplement action d'inaugurer, c'est-à-dire d'officialiser l'ouverture ou le commencement de quelque chose, programme d'action, bâtiment fait, etc. Voilà. Et la définition d'inauguration aussi qui dit début ou commencement de quelque chose de durable. Voilà. Quelque chose de durable. Donc, les amis, au travers de cette inauguration, il y a la vie éternelle derrière. C'est quelque chose de durable qui n'a point de fin, les amis. Qui est durable. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est-à-dire que quand tu vas inaugurer, par exemple, la mairie, hein, y a quelque chose qui est fait, qui est illustré ici. C'est-à-dire, nous voyons un ruban. Et ce ruban, si ce ruban n'est pas coupé, il n'y a pas accès. Ça veut dire que ce n'est pas ouvert. Et n'oublions pas que le Seigneur, parce qu'au travers de la définition, on dit début ou commencement, il dit... Il est le commencement. Il est le commencement de toute chose. Il est le commencement. Et dans le passage de Hébreux 10, on dit que «
Ayant donc, frère, la liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Yeshua, chemin nouveau et vivant, qui nous a inauguré au travers de quoi? Au travers du voile. Le ruban, c'est le voile. Et on dit que qu'est-ce que le voile est? Le voile, c'est-à-dire de sa propre chair, les amis. Et nous avons pu voir qu'avant, que Yeshua avait porté le péché de l'humanité. Donc, la chair la portait le péché de l'humanité. Et c'est cette chair-là, parce qu'il a porté le péché de l'humanité, c'est cette chair-là qui a été frappée, les amis, sous la croix, qui a été crucifiée. C'est la chair qui a été crucifiée. On dit dans la parole que la puissance du péché se retrouvait dans la chair. La puissance du péché se retrouvait dans la chair. Voilà pourquoi aussi dans Galates 5, on dit que le désir, il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et les désirs de la chair sont contraires. Et nous voyons la panoplie, le listing de quoi? Du péché. Le listing des désirs de la chair qui est le péché, les amis. Il n'y a rien de bon dans la chair. Donc, au travers de cette chair qui a été crucifiée, on dit que le chemin a été inauguré. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On a dit que les chérubins avaient deux épées, n'est-ce pas? Deux épées. On dit qu'une épée, ça a aussi des côtés tranchants. Bon, j'ai envie de nous demander, quel est l'instrument lorsqu'on inaugure une bâtisse ou un baptiste, je ne sais pas. Voilà, quel instrument qu'on prend pour couper le ruban qui est là, donc le voile qui est là. Il y a deux tranchants, les amis. Il y a deux tranchants qui est là. Donc, c'est des ciseaux. On prend des ciseaux pour couper le ruban. Et c'est le châtiment du ruban qui est là. Pour nous donner quoi? Accès. Pour nous donner accès. Mais accès à quoi maintenant? On nous dit, nous avons la liberté de rentrer dans le lieu saint par le sang de Yeshua. Donc, il y a eu un châtiment. Et ce châtiment nous donne la paix de rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce don gratuit-là qui nous permet d'y accéder. Lorsque nous prenons ce don gratuit-là, la parole nous dit que nous sommes cachés en Yeshua. Or, Yeshua, c'est celui que nous sommes cachés en lui. Donc, c'est sur lui que le châtiment est tombé. Et nous allons voir aussi dans une offrande de culpabilité, d'oiseau, une offrande d'oiseau. Eh bien, qu'est-ce qui était fait? En fait, l'oiseau avait des plumes et l'oiseau était déplumé. Or que le corps demeurait pour le sacrifice. Mais l'oiseau était déplumé, les amis, qui représente en fait le châtiment, qui représente en fait que le Seigneur a été nu par rapport au péché de l'humanité. Et parce qu'il était nu, les amis, parce qu'il portait le poids du péché de l'humanité, eh bien, les épées flamboyantes là, qui étaient devant l'arbre de vie, est tombé sur lui. Mais nous étions cachés en lui. Oh, alléluia! Et c'est tombé sur lui. Donc, les épées flamboyantes là ont exercé le jugement sur le deuxième Adam. Mais toutefois, c'est sous le péché que c'est tombé. C'est tombé sous le Seigneur parce qu'il portait le péché, mais c'est tombé sous le péché. Donc, en vérité, l'abcès est ouvert et inauguré. Pourquoi? Parce que le péché a été consumé. La colère du Seigneur a été apaisée parce que la colère est tombée sous le péché de l'humanité. Donc maintenant, là, quand nous allons nous présenter au ciel, la Bible nous dit que nous serons accueillis par qui? Nous serons accueillis par les anges. Alléluia. Donc les chérubins là, qui avaient les épées, là, et qui, où le châtiment est tombé sur quelqu'un, ça veut dire que les épées ne sont plus brandies sur ceux et celles qui ont accepté l'offrande, qui ont accepté le don gratuit, qui ont accepté le sacrifice de Yeshua Mashiach.
Voilà pourquoi nous serons accueillis avec beaucoup d'amour dans le royaume des cieux, parce que nous, c'est-à-dire que le péché de l'humanité a été ôté. Donc là est le don gratuit. Vous voyez, les amis? Donc quand tu viens, toi, pour aller dans la présence du Seigneur, les chérubins voient que la somme a été réglée, le châtiment a été réglé. C'est-à-dire, le péché, la cause du péché a été réglée, les amis. Une bonne fois pour toutes. Donc quand les chérubins te voient, ben, ils voient en fait, voilà pourquoi le Seigneur nous a donné son esprit, afin que nous ayons le sceau qui dit que, lui, il a reçu le don gratuit. Donc, laisse-le passer. Donc, les chérubins te voient et ils t'accueillent. Ils te laissent passer pour aller dans la présence du Seigneur. Alléluia. Waouh, c'est fort. Et nous avons vu aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que face à ça, il y a deux façades. Il y a la façade où il y a les épées brandies. Et il y a la façade où il y a les épées qui ne sont pas brandies. Les épées qui ne sont pas brandies sont pour ceux et celles qui ont accepté le sacrifice du Seigneur, donc le don gratuit du Seigneur. Mais il y a les épées qui sont brandies pour tous ceux et celles qui n'ont pas accepté le don gratuit du Seigneur. C'est-à-dire que pour tous ceux et celles qui ont gardé leur culpabilité. Donc quand ils viendront pour se présenter, pour entrer dans le jardin, pour aller vers l'arbre de vie, ben les amis, ce sera impossible parce que ils n'ont pas accepté le don gratuit qui lui donne la paix. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en paix avec le Seigneur. Si tu n'es pas en paix avec le Seigneur, les amis, l'épée va tomber sur ta tête. L'épée est sur toi. La flamme, l'épée flamboyante qui tourne ça et là, va tomber sur toi, les amis. Voilà pourquoi beaucoup qui refusent le don gratuit du Seigneur, eh bien, le jugement, la colère, ne saute pas sur les fils de l'obstination. Nous comprenons que le don gratuit du Seigneur a été donné pour sauver l'humanité du péché. Et nous voyons que ceux, les vendeurs, les marchands du temple, pourquoi il les a chassés? Parce que en fait, l'offrande qui a été donnée gratuitement. Donc pour avoir accès au Seigneur, il faut tout simplement accepter l'offrande qui était gratuite, le don qui a été gratuit pour l'homme. Et au travers de cela, nous avons vu au travers du temple, eh bien, il y avait des marchands du temple qui vendaient les oiseaux, qui vendaient les choses. Ils étaient dans le temple, en fait, en vérité. Or, on ne peut pas faire de la marchandise dans un chemin qui a été, en fait, ouvert gratuitement pour nous, pour avoir accès, hein, au Père. Vous voyez, c'était quelque chose de saint. C'est pas l'homme qui devait, en fait, qui pouvait régler son problème. La somme qu'il payait là ne pouvait pas régler son problème. Mais il y a une somme qui a été payée qui ne peut pas être estimée. C'est le sacrifice du Seigneur. Alors tous ceux qui, en fait, qui n'ont pas cette compréhension, eh bien, c'est comme s'ils péchaient, en fait, envers le Seigneur. Tous ceux qui vendent, tous ceux qui vendent et tout ce qu'ils ont reçu du Seigneur, en fait, ils sont sous le jugement du Seigneur parce que ils ont refusé de donner gratuitement. Donc, ils ont désobéi même à la parole du Seigneur qui dit de donner gratuitement. Parce que pourquoi? Nous avons vu que ces personnes-là, la majorité n'ont pas la connaissance précise et correcte de Yeshua Mashiach. Ils sont dépourvus de la croix. Ils ne comprennent pas la croix. Ils sont ignorants sous l'œuvre du salut, le don gratuit du Seigneur. Ils ont une ignorance, mais vraiment, vraiment incroyable. Et c'est sur cela que nous allons être jugés. Par rapport à ce don que nous acceptons. Et il y a ceux qui n'acceptent pas. Et il y a ceux aussi qui meurent par ignorance parce qu'ils ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Voyez, les amis. Donc, tout ça pour nous dire que c'est ce don gratuit qui a été inauguré. C'est ce chemin qui a été inauguré pour nous. C'est au travers de la chair, c'est au travers
du voile. Voyez, c'est parce que le jugement a été fait une bonne fois pour toutes pour le péché. Ça veut dire tel que nous sommes là, c'est vrai que ça nous arrive de pécher, ça nous arrive de trébucher. Mais cependant, ça nous arrive de pécher involontairement. Mais cependant, dans l'esprit, c'est déjà réglé. Voilà pourquoi il nous faut pas volontairement pécher, mais honorer le Seigneur par notre vie de sanctification, par la vie de sainteté, comme le Seigneur a pu marcher, afin qu'il puisse nous dire, waouh, c'est un fils en qui je trouve mon bon plaisir. Ma fille, c'est une fille en qui je trouve mon bon plaisir. Alléluia.